Bonjour les artistes! Bonne nouvelle pour la culture dans le Lot-et-Garonne et ailleurs. Enfin, la capsule vous propose une actualité belle et humaine. Nous allons voir de l'humanité, de la poésie en couleur, des portraits de femmes, du bois urbain, des créations de bijoux, du café chilien, le thème du reportage de Gonzo. Je crois que c'est des bulles. Tout d'abord, nous allons partir à Agen, à la Galerie Générale, du 15 octobre au 15 novembre. Nous vous donnons rendez-vous pour vendredi 15 octobre à partir de 18h30 pour le vernissage de l'exposition « L'humanimalité » de Patrick Nupert. Son univers est un ensemble de traces et de marques, porteuses de messages où la question de l'identité est conçue comme une interrogation sur le passé en relation avec un devenir à construire. Si tu as compris, tu peux y aller. Si tu n'as pas compris, vas-y quand même. Ensuite, nous partons pour Marmande, à Garozard. Garozard vous présente un voyage initiatique jusqu'au 27 novembre. Le vernissage a lieu le 16 octobre à 10h avec Alphonse Dupont et Pascal Carrier. C'est une exposition poétique où la trace du geste nous ramène au monde originel. Frac, 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 frac. Portrait de femme. Exposition d'art contemporain et de photographie au musée Albert Marzel à Marmande. C'est une exposition coécrite par la Frac Nouvelle-Aquitaine et le musée Marzel à l'initiative de la Frac de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des œuvres en vrac de la Frac de Nouvelle-Aquitaine. Le chapeau, il est bon, il n'y a pas de travers. Parce que des fois, j'ai de travers, j'ai remarqué. C'est le montage la dernière fois. Ça m'a agacé. Nous partons pour Bordeaux. Les vivres de l'art présentent la Genèse par Zahir 777. Vernissage le 14 octobre à partir de 19h. C'est un artiste multitâche, issu du mouvement graffiti et adepte de l'exploration urbaine. Zahir aime flâner dans des lieux à l'abandon en quête de matière et de texture. Pour son exposition Genèse, il vous présente une série d'œuvres réalisées sur des chutes de bois, en OCB. En OSB, il y trouve des animaux féeriques, là où les gens ne voient que du bois. René Olivares, vamos. Il y a aussi des choses qui se font en périphérie de notre département. En effet, à Paris, nous allons parler de René Olivares, peintre chilien connu et reconnu au Chili. Ce sera une exposition au verre à pied, café typiquement parisien, rue de la Contrescarpe. Il boit du café et dessine avec. Ce sera du 19 octobre au 28 octobre, au verre à pied, Paris 5e. Gare aux bulles. Maintenant, je vais vous parler de Gare aux bulles, présenté par Gonzo pour Art Spotting. Gare aux bulles, artisan savonnier. Gonzo va vous faire rentrer dans son univers. Comment sont produits les savons, avec quel produit magnifique. Je vous invite à aller le voir sur les réseaux, internet, à la télé, sur le site Une idée de départ. UIDD.fr. Weed.fr. Au revoir les artistes.